Ça a vraiment trop classe. Pourquoi je suis en grand écran là, ça me va pas ça. Oh, ouais. C'est toi ça. Mais non. Qu'est-ce que j'ai fait encore? Hello. Hello. Coucou tout le monde. Je sais pas. Voilà, voilà, trois participants. Du coup, il t'a montré comment bloquer la discussion. Aucun. Ou pas seulement. Absolument. Ok. Absolument. C'est noté. Très bien. On n'en est que trois. Hein. Quatre. Oui, quatre. Tu veux faire comment? Comme tu veux. Comment ça, tu veux faire comment? Tu fais stretch au complet. Ouais, si tu veux. iPhone de Justine. Bonjour, iPhone de Justine. Hop, tac. Eh bien, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. En cette, c'est pas trop le matin, mais pour moi, oui. j'espère que vous êtes bien remis de la séance d'hier, si vous l'avez faite. Ça, pas trop mal au triceps? Excellent, ouais, grave. Grave. Donc du coup pour la séance de stretching, bah, comme d'hab, si vous pouvez mettre votre caméra, ça serait top. Comme ça on peut regarder vos mouvements, voir si c'est correct ou pas. Parce que bon bah voilà, c'est quand même votre corps, hein, on veut prendre soin de vous. Donc voilà. Donc aujourd'hui stretching, un tout petit peu de mobilité, mais pas beaucoup. Attention. Donc voilà, on écarte tous les meubles, on fait de la place. On va commencer par un petit échauffement. Et puis voilà, je voulais rajouter un truc. Non, c'est bon. Ah, ok. Je suis en train de rigoler sur mon texte. Je suis sûre d'avoir vu mon maître. Ah, mais pourquoi c'est pas dans l'ordre? Hey! Qui est-ce? Isabelle. Ah, oh, t'aurais valu si loin, toi. T'as vu? Propre. Sans mes lunettes en plus. Ouais, c'est bon. Allez, comme d'hab, on part en step touch. Waouh, il est habillé. T'as dit quoi? Je dis waouh, il est habillé. Oh non. On fléchit sur les jambes. À chaque fois, il reste habillé. Oh non. On rajoute les bras. Et on part en pas chassé. 3, 2, 1 par ici. Voilà, c'est ça. Toujours avec les bras. C'est pas trop en amont, c'est ça. Ok, sur place, on fléchit bien. Il a pleuré pendant à peu près une demi-heure. Et je dis, bon, on va prendre la grasse matinée. Ça va, elle a été sage, il l'a sortie tard hier soir. Ok, on rajoute les bras vers le haut. Allez, on se grandit. Et on est parti en pas chassé. Par ici. Ok. On va venir faire un petit talon fesse. Et on rajoute un saut pendant le talon. Et step touch. Encore plus fléchi que tout à l'heure. Gardez le dos droit. Et on descend en squat. Et je remonte. Ok, on accélère. On est reparti en pas chassé. Et cette fois-ci, un genou vers l'avant. Donc c'est le genou antérieur
On croise légèrement avec le coude. Et on saute à chaque fois. Les talons. Ça, c'est comme ça. Grave. Et les bras. Vers le haut. C'est pas arrivé, quoi. J'ai baillé, du coup. Tu m'as transmis. Ok. Buvez un coup si vous avez besoin. M2. Et voilà, tu veux boire? Hop. Allez, comme la semaine dernière, on va un peu mixer la mobilité avec le stretching, on va faire les deux en même temps. Oh, bah non. Ok. Donc, si vous êtes plus à l'aise, vous pouvez enlever vos chaussures. Moi, c'est ce que je vais faire. J'aime bien être en chaussette. Une chaussette noire. Une chaussette blanche. Exactement. C'est très important. Moi, je ne peux pas le faire parce que j'ai les deux mêmes chaussettes. Oh non. Les os. On va mettre le basket. Ok. Allez, on se met tranquillement les pieds largeur du bassin dans une position confortable et stable. On inspire. Et on inspire, on relâche les épaules. On se détend. On fait redescendre le rythme cardiaque. On peut fermer les yeux si ça aide à se détendre. J'avoue. Allez, on inspire, on lève les bras. On va venir espacer les vertèbres. Je me grandis le plus possible. J'expire, je garde l'étirement. Et je me lâche. Grave. Mais Sarah, elle sait ce qui est bon pour son corps. Inspirez. Je me grandis. Gardez le bassin rentré. Et je relâche. Même chose sur le côté. On va étirer les obliques. Inspire. Je me grandis. Je pousse légèrement le bassin du côté opposé. Voilà. Donc, on garde les abdos engagés pour ne pas creuser le dos. Hé, tête là. Relâche. L'autre côté. Inspire. Expire. Allez, on s'allonge. On essaie de se grandir le plus possible. Et je relâche. Encore une fois, inspire. Et expire. L'autre côté, inspire. Et expire. Allez, on s'allonge le plus possible. On essaye d'étirer tout le long. Là, ça part du bassin jusque dans le coude. Et je relâche. Mais vos pecs, c'est complètement détendu. Détendu. Ok, on va s'occuper de la nuque, tout ça. Donc, on commence par les oui et les non. Donc, inspire, tête neutre. Expire, je relâche vers l'avant. Je touche le menton sur la poitrine. Inspire, tête neutre. Expire, pousse le menton vers le ciel. Grandis-toi, abaisse les épaules. Et je relâche. Inspire, tête neutre. Expire, touche le menton. On peut rentrer les épaules si ça peut aider. Je reviens tête neutre, inspire. Expire, grandis le menton jusqu'au plafond. Oh, okay. À droite et à gauche, inspire. Expire sur le côté gauche. Relâchez bien vos épaules. Et je reviens tête neutre, inspire. Expire côté. Encore une fois, on rajoute les yeux, on va regarder loin derrière comme si on était une chouette. Inspire. Expire. Et je relâche. Inspire. Expire, on vient étirer les nerfs oculaires. Oh,
Ok. On laisse rouler la tête de droite à gauche, seulement pour, vers le bas pour l'instant. Relâchez bien la tête. Donc, on va travailler un petit peu sur la mobilité et sur le travail des cervicales. Donc, si vous avez un jour des hernies cervicales, c'est des exercices que vous... Des hernies, si, des hernies discales ou cervicales. Ça existe, hein, je ne suis pas folle. Donc, ça, c'est un exercice que vous pouvez refaire chez vous. On en a fait un petit peu avant les vacances, donc on va le refaire comme ça, on l'intègre bien dans nos routines et on ne le fera pas à chaque fois, mais voilà, comme ça, vous savez ce que c'est. Donc, ici, on va placer les mains au niveau du front. On va inspirer très fort et on va expirer en poussant le front vers l'avant, on retient avec les mains. Poussez tout le long de l'expiration, au pexo, et je relâche. Ok. Donc si vous sentez une douleur dans cette position, quand vous poussez, surtout vous poussez moins fort, et si c'est vraiment une douleur aiguë, vous arrêtez le mouvement, d'accord ? On revient sur les petits demi-cercles de tête. Encore une fois, inspirez. Expirez, poussez le front dans les mains. Et je relâche. Même chose vers l'arrière, on vient mettre les mains à l'arrière du crâne. On inspire et on expire, on pousse fort la tête en arrière, on retient avec les mains. Et je relâche. Une deuxième fois, inspirez. Et expirez. Ok. Donc vous en doutez, on a fait l'avant et l'arrière, on va faire sur le côté aussi. Donc une main sur le côté ici, et je vais pousser ma tête sur le côté, inspirer, expirer, et je pousse ma tempe contre ma main, et je relâche. Deuxième fois, inspirer, expirer, pousser fort sur le long de l'expiration, et je relâche de l'autre côté, inspirer, expirer, pousser fort sur le côté, relâchez bien l'épaule opposée. Ok. Dernière fois, inspirez. Expirez, poussez fort. Et je relâche. Maintenant qu'on a bien travaillé les cervicales, on va venir étirer un petit peu les trapèzes et le long du cou, comme on fait d'habitude, on inspire. Expire, je relâche la tête sur le côté. Les deux épaules bien relâchées. Ok. On revient tête neutre, inspirez, on rajoute la main sur la joue, expirez, relâchez la tête. Je te vois secouer la tête. Je sentais que j'avais quelques ronds qui me Allez, seulement avec le poids du bras, mais c'est pas la peine de tirer. On essaie de descendre le bras opposé le long de la cuisse sur l'expiration. Et je relâche doucement. On passe de l'autre côté, inspirez. Pardon, d'abord sans le bras. Voilà, c'était une feinte. On relâche bien les épaules. Et je reviens. Inspirez, on rajoute le bras cette fois-ci. Expirez, relâchez la tête. C'est même quand je baille, c'est Donc si comme Arnaud, vous baillez beaucoup, c'est normal. Il ne faut surtout pas se retenir. Je relâche. Oh, ok, même chose vers l'avant. On va placer les deux mains derrière le crâne. On inspire et on expire. On relâche les genoux. On relâche la tête. Juste le poids des bras derrière le crâne. Et on va venir étirer les muscles tout le long de la colonne. Et je remonte doucement. Ok. Donc, fini pour cette partie-là, on va venir aux épaules. On attrape l'avant-bras ici, inspirez. Et expirez, et je pousse contre la poitrine. Ok, on relâche. De l'autre côté, inspirez. Et expirez. Maturité 2 ans. Grave. Au pex, là. Oh. Assis.
fais du stretching. Du stretch. Ok. Donc, dans cet étirement des épaules, on va rajouter les petits exercices de mobilité qu'on avait fait déjà, je sais plus, c'était il y a 2 ou 3 semaines. Donc, les grands cercles, on se concentre seulement sur un bras. Ici, grand cercle vers l'arrière. On essaye de chercher le plus d'amplitude possible. On se grandit quand on a la main vers le plafond. On essaye d'avancer l'épaule vers l'avant quand on a le bras vers l'avant. Et on va chercher loin derrière ici. Quand je suis derrière, hop, j'essaye de passer le plus grand cercle possible. Hop, et je reviens. Allez, vous avez vu, là, je passe devant la poitrine. Hop. Allez, dernière fois vers l'avant. Oh, ok. Allez, on passe dans l'autre sens. Hop. Allez, on va chercher encore plus loin si on peut. Quand on est en bas, on essaye de se gratter les doigts de pied. Voilà, super. Allez, dernier. T'as dit quoi ? J'ai retrouvé trop de mobilité. Ah bon ? Ouais, je te jure. Bah, tant mieux. On passe sur l'autre bras. Bon, pas tant mieux, je peux passer sur l'autre bras. Donc, vers l'avant. Allez, on passe devant la poitrine. Derrière le dos, si on peut. C'est bien, on voit bien la différence entre toi et moi. En termes d'amplitude ? Ouais. Ah ouais, bah oui. Bon, à savoir, je n'ai plus de ligament du tout dans aucune des épaules. Oui, c'est vrai que toi... La coiffe de ok, on passe plus. Dans l'autre sens. Allez, rappelez-vous, on essaye d'éloigner la main le plus possible du corps. À côté de moi. Ouais, j'entends, oui. Appelle, il y a un moment, la rupture. Je vais mettre à côté du micro. Allez, dernier. Le mec trop dans l'excès. Ok, on reprend nos petits étirements des épaules qu'on avait fait tout à l'heure. Donc, la même position ici, j'attrape mon bras. Inspirez, expirez, je pousse contre la poitrine. Ok, prenez une profonde inspiration. Et sur l'expiration, on va venir pousser la main vers l'avant. Inspirez, expirez, poussez fort, retenez avec la main ici. Tout le long de l'expiration. Quand j'ai fini d'expirer, je garde la position, je relâche la contraction et je pousse encore plus fort contre la poitrine. Essayez toujours d'éloigner la main du corps, bien sentir l'étirement. Et je relâche. De l'autre côté, inspirez, expirez, on étire, l'étirement normal. Inspirez profondément. Et expirez, poussez la main vers l'avant. Retenez avec l'autre. Et quand j'ai fini d'expirer, je garde la contraction, je garde la position, je relâche la contraction et j'étire la main le plus loin possible de mon corps. Ok. Et je relâche. On va venir étirer dans les triceps. J'inspire, j'attrape ici mon coude, je vais toucher les omoplates derrière. Et sur l'expiration, je vais venir pousser mon coude vers le bas. Donc attention sur cette position-là, on garde les abdos serrés, les fesses serrées pour ne pas creuser le dos, d'accord ? Ok, je relâche. Toujours le même bras, inspirez, j'attrape mon coude. Expirez, toujours avec les fesses et les abdos serrés, je vais venir me pencher légèrement sur le côté pour accentuer l'étirement de mon triceps. Vous allez voir, ça descend presque jusqu'en bas de l'épaule. Et je relâche. Ok, on passe de l'autre côté. Inspirez. Expirez, j'attrape le coude. Je le pousse vers le bas. Toujours les abdos et les fesses serrées. Ok, on relâche. On reprend toujours le même bras. Inspirez. Expirez, j'attrape le coude. Et je me penche légèrement sur le côté en gardant les abdos et les fesses serrées. Ok, je relâche. Ok, toujours sur partie haut du corps, on va venir attraper les bouts des doigts ici, inspirer, expirer. Je vais venir tendre le bras, étirer les doigts vers moi ici. On étire tous les muscles de l'avant-bras ici.
Ouais. Et je relâche. Même chose de l'autre côté. Inspirez. Et expirez. Tirez les doigts vers vous. Attends, j'ai un bras, ça ne fait pas la même douleur. Ça crée des barres lourdes, de boxer, de tout ça. Ah, mais c'est important. Ça crée des tensions. De toute façon, même dans la vie de tous les jours, quand tu attrapes les objets, cet étirement-là, c'est quand même un étirement à chaque fois. Même quand, par exemple, on transporte les sacs de course, on a les poignets qui sont crispés. Tout ça, c'est crispé. Enfin, donc voilà, ça fait du bien d'étirer ici. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, alors, donc on a fait un petit peu les cervicales tout à l'heure. Là, on va s'occuper de la syphose. Comment ça partit? Thoracique. Donc, on va venir faire un petit mouvement, on va venir étirer, on pousse la cage thoracique vers l'avant, on tire les bras vers l'arrière ici, expirez, je reviens, j'inspire, expirez, je pousse vers l'avant, rentrez la tête, et je reviens, inspirez, le dos droit, expirez, sortez la cage thoracique, on dirait le Titanic. Il y en a un qui est coulé un peu plus que l'autre. Grave. Allez, inspirez. Expirez vers l'avant. Relâchez la tête. Poussez les épaules vers l'avant. Inspirez. Redressez-vous. Expirez. Sortez la cage thoracique encore une fois. Gardez les abdos et les fesses serrées. Et dernière fois devant. Écartez les omoplates. Ah, ok. On va venir accentuer cet étirement. On attrape les mains derrière. Inspirez. Expirez. Là, on va lever les bras loin derrière, le plus loin possible. Ça étire un petit peu les biceps. Hop. Et les épaules. Donc, toujours les fesses bien serrées, le dos bien droit. Je relâche. Même chose vers l'avant. Je croise mes doigts. Je les entrelace. Inspirez. Expirez. J'écarte les omoplates le plus possible. Là, j'essaye d'éloigner mes mains le plus possible de mon corps. Relâchez bien votre tête. Ok. Super. On va descendre au sol. On va s'occuper un peu plus du dos. Juste avant, on va étirer un petit peu les pectoraux. Alors, si je baisse ça. Est-ce que ça va? Très bien. Moi, je pense que... Je vais juste baisser la caméra pour qu'on nous voit bien. Je me mets en repère visuel. Vous pouvez vous mettre d'entrée déjà au sol. Putain, vous moquez de moi, mais je suis à mon moment. Mais non, je me moque pas de toi, c'est juste que je vois que mon tapis n'est pas droit. Ah. Ok, on se met sur les genoux et les mains, on va venir étirer. Donc, on place la main sur le côté, on va venir l'éloigner du corps. Inspirez, expirez, je fléchis, j'essaye de rapprocher mon épaule dans le sol. On va venir regarder du côté opposé. On pousse l'épaule dans le sol. Relâchez bien les muscles du haut du corps. Donc le bras qui est éloigné du corps, il n'est pas totalement tendu, il est légèrement fléchi. Inspirez profondément. Expirez, poussez fort la paume de main au sol tout le long de l'expiration. Et je relâche. On essaie de descendre encore plus vers le sol, sans contraction cette fois-ci. Et je relâche complètement. L'autre bras. Inspirez, expirez, je redescends dans le sol. Parfait, Sarah. Engagez vraiment votre épaule du côté opposé. Inspirez profondément. Expirez, poussez la paume de main dans le sol. Tout le long de l'expiration. Donc une fois que vous avez chassé tout l'air, gardez la position, relâche la contraction, on essaie de descendre un petit peu plus bas. Voilà. Ok, et je relâche. Nickel.
Du coup, je disais, oui, le dos. Alors, on va venir se mettre à plat ventre. Tu veux le faire, Ramon ? Alors, à plat ventre ici, on va venir mettre les mains de chaque côté de la poitrine. Tac. Et on va venir dérouler le dos. Première étape, on déroule, on se met sur les coudes. Inspirez, expirez, déroulez sur les coudes, voilà. On contracte bien les fessiers pour protéger la colonne vertébrale. Voilà. Et je relâche, j'enroule, je reviens à plat ventre. Voilà. Toujours la tête en dernier. Ok, deuxième étape, on va venir se mettre sur les mains. Donc, on ne tend pas complètement les bras. Inspirez, expirez. Toujours les bras légèrement fléchis, voilà. Voilà. Et on va venir regarder loin devant. Voilà. Toujours les fesses bien serrées. Et je relâche, je redescends tout doucement. Allez, dernière étape, on va venir essayer de tendre les bras. Si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave, on garde les bras fléchis. Inspirez, expirez, et je monte tout doucement. Les bras tendus, voilà, serrez bien les fesses. Ok, je reviens dans la position initiale. Ok, on va venir se mettre dans la position de l'enfant. Donc, on met les genoux sous la poitrine ici. On va rentrer la tête, on pose le front au sol, les bras derrière. Et on relâche complètement la nuque. Relâchez complètement les épaules. Là, elles sont complètement détendues. Voilà, super. Donc, pour bien sentir le relâchement des cervicales, vous pouvez mettre les bras le long des jambes. Voilà, nickel. Super, tout le monde. Ok, on va bien s'enlever. Dos rond. La tête en dernier. Hop. Pour le dos. On revient à plat ventre. On va commencer les petites torsions avec l'exercice du scorpion. Le scorpion. Le opex. Donc, ici, on va venir fléchir sa jambe. C'est la pointe du scorpion ici. On va garder la poitrine au sol. Et la jambe, elle va venir toucher ici derrière le sol. Bon, sinon, on n'arrive pas à toucher le sol, parce que moi j'ai le meuble. C'est pas grave. On essaie de garder le plus de possible de poitrine au sol. Si c'est... Vous avez vu, moi je décolle un petit peu, hein, c'est pas grave. Hop, petite torsion. Hey, c'est excellent, Sarah, ça. Et on va chercher un tout petit peu plus loin. Ok, on revient. Les deux os du bassin au sol. On change de jambe, inspirez. Expirez, je fléchis ma jambe et je vais venir toucher le sol. Le stico. Tout doux. Voilà, tu t'assois si tu es sur moi. Voilà, et on fait une petite. Allez, on va chercher un petit peu plus loin avec le pied. Et je reviens. Quand je vois ton sujet, il a l'air compliqué, je suis content. Ok. On va venir se mettre sur le dos. Prochain. Et du massage. Hop, sur le dos, on attrape les genoux, on bascule d'avant en arrière. Puis de droite à gauche, avant des tout petits mouvements, on sent le bassin s'enfoncer dans le tapis. Voilà, petit cercle. Tac. Tu promènes OPEX ce soir ou pas? On en fait 3 dans un sens, 3 dans l'autre. Je pense que je vais prendre des roquettes à 18h. Moi. Si jamais ça te chauffe. Ok. Alors, ici, on va venir étirer un petit peu les muscles sciatiques. Enfin, le nerf sciatique, pardon. Donc, on va venir relâcher la jambe au sol ici et on garde une jambe le long de la poitrine, inspirez, expirez, poussez le genou contre la poitrine. Contre la poitrine ici. Voilà, super comme ça. Tu étires ton muscle de l'avant-bras. Ok, on relâche. On va venir placer sa main en dessous de la cuisse ici et on essaye de garder un angle ouvert du genou. On inspire. Et on expire, même chose, on va venir rapprocher la cuisse de la poitrine. Donc, c'est normal. Là, ça va tirer un petit peu dans l'arrière de la jambe. Il n'y a pas de problème.
Donc, si on sent que ça tire trop fort, on relâche un petit peu l'étirement. Hein, on n'est pas là pour... Ok, on relâche un petit peu, on inspire, on expire. Et cette fois-ci, on essaye de garder le genou le plus tendu possible. Donc, si vous n'êtes pas très souple, ce n'est pas très grave si vous avez une petite flexion. On tire les orteils vers soi et on pousse toujours la cuisse vers la poitrine, le dos le plus plat possible. Et je relâche. Ok. Même chose de l'autre côté, j'attrape le genou, inspirez. Expirez, je relâche l'autre jambe au sol et je pousse mon genou contre la poitrine. On place les mains sous la cuisse, inspirez. Expirez, poussez le genou contre la poitrine. Donc l'angle du genou est un petit peu ouvert. Opex. Inspirez, ouais, expirez. Ah, mais t'as lâché une caisse, les gars. Elle est détendue grâce au stretching. Inspirez, expirez, on tend le genou, on tire les orteils vers soi et on rapproche. T'es un peu trop détendue. La cuisse, mais oui, la cuisse proche de la poitrine. Allez, tirez les orteils bien vers vous et je relâche. Ok. Toujours dans cette position-là, on va commencer à s'attaquer au bas du corps avec le muscle du piriforme et du fessier. Mais pousse-toi, on ne voit rien là. T'es respectable. Mais non. Un genou fléchi, on va venir poser sa cheville sur le genou. Ici, on va venir attraper soit en dessous de la cuisse, soit au niveau du tibia. C'est vraiment en fonction de votre cheville. Gardez bien la tête au sol. Inspirez. Expirez, relâchez la tête. Là, vous pouvez sentir déjà là, dans le muscle de la cuisse et de la fesse que ça tire. Gardez bien le dos et la tête au sol. Inspirez profondément. Et sur l'expiration, le genou qui est vers l'extérieur, ici, on va venir le faire pousser vers l'avant. Okay, on retient avec cette jambe-là. Profonde inspiration. Expiration. Poussez le genou vers l'avant. Fort, tout le long de l'expiration. Relâchez la contraction, gardez la position. On essaie de rapprocher un tout petit peu plus le genou de la poitrine. Donc, si ça tire trop fort, on ne s'excite pas trop sur ses muscles. On relâche un peu la contraction. Oh, ok. On change de côté. Je pose ma cheville sur mon genou, j'inspire. J'attrape mon tibia ou sous ma cuisse. Expirez, relâchez la tête. Inspirez profondément. Expirez, poussez le genou vers l'avant. Allez, quand on relâche la contraction, on essaie de rapprocher le genou de la poitrine. Si on ne peut pas, c'est pas grave, on ne force pas. Donc ça, c'est un étirement qui est top si vous avez une douleur au nerf sciatique. C'est top. C'est plus le muscle sciatique. Mais je m'étais trompée. Oh. Ok. On relâche. Et on va venir se relever doucement sur le côté. Ok. On va venir travailler la mobilité de la hanche au pec. À ta place. Tu veux nous faire des exos? Ouais, pourquoi pas. Ouais. On va débuter debout, du coup. À ta place. À ta place. Dépêche-toi. On va tout simplement, pour commencer la mobilité des hanches, là, on va tout simplement descendre en position de squat. On écarte les pieds un tout petit peu plus large que la largeur d'épaule. Yes. La pointe de pied légèrement en canard, pas de trop, mais légèrement en canard. On inspire bien fort. Et on expire en descendant. On va essayer d'aller trouver sa position de mauvais fort, descendre le plus possible là, sans décoller les talons du sol, en gardant bien les pieds à plat dans le sol. Si on peut descendre et s'asseoir par terre un peu comme moi et Julia, tant mieux. Sinon, si on est ici en hauteur, ce n'est pas grave.
N'hésitez pas à replacer vos pieds une fois que vous êtes en bas. Par exemple, moi, j'avais vu trop large, j'avais trop écarté mes pieds, du coup, je les ai un petit peu rapprochés. Sinon, j'allais tomber en arrière. Donc, n'hésitez pas à le faire. Trouvez une position confortable pour garder l'ouverture des hanches. On va garder les bras droit devant ici. On va rester quelques secondes comme ça et on va venir poser les coudes à l'intérieur des genoux et tenter de les écarter légèrement pour travailler un petit peu sur les adducteurs. Adducteurs. Ouais. Abducteurs, c'est ce que je veux. Ouais, on relâche un petit peu. On va utiliser sa main là et avec sa main, on va venir poser le sur le genou opposé et pousser légèrement. On relâche, on inspire et on fait exactement la même chose de l'autre côté. On dirait qu'il y a un chewing-gum dans la bouche. Dex. On relâche et on se remet debout. On va s'installer ici, sur ses chevilles. Là, on va venir s'asseoir sur les talons pour étirer légèrement les chevilles. Ok. On reste un peu dans cette position et on va venir poser les mains derrière soi là pour pouvoir accentuer l'étirement au niveau des chevilles. Voilà, exactement comme ça. On peut même, comme le fait Julia, mettre un peu de poids dessus en levant les genoux vers l'avant. Et j'avoue que moi, c'est déjà bien que je tienne dans cette position. Yes. On relâche, on se remet en position initiale. On garde le dos bien droit là. On va venir installer ses pieds, ses paumes de pied pour s'ancrer dans son sol là, s'ancrer dans son tapis. Ok. Une fois qu'on est ancré dans le tapis là avec ses orteils, on va se remettre droit et on va venir s'asseoir sur les talons. On va essayer de s'asseoir, de mettre du poids pour commencer vers les pouces, vers l'intérieur des pieds, du coup vers le pouce. Et ensuite, on va essayer de décaler légèrement son centre de gravité pour aller travailler un peu l'extérieur des pieds. Voilà, tire un petit peu les orteils. Ça picote ça. Hein? Même chose que les avant-bras, c'est une partie du corps qu'on utilise, qu'on sollicite à longueur de journée. Et du coup, il est très important de les étirer de temps en temps, de prendre soin d'eux. Ou même parfois de les masser. Ah, okay. On relâche. On va venir s'asseoir là. Hop, s'asseoir ici. Et on va poser les pieds histoire que l'on ait un angle à 90 degrés au niveau de ses jambes. Ok ? Yes, exactement comme ça. Non, OPEX, je suis OPEX, c'est mon mobilité, ça soit super fait. Hop, je me décale, on va se mettre ici, poser les mains vers l'arrière, et là, tout simplement, sans bouger le reste du corps, en essayant de garder le buste le plus droit possible, on va basculer les genoux vers la gauche. J'aime trop. On revient en position initiale, on inspire. Au pec, ça t'aplace. Et on expire en allant vers la droite. Non. Ça t'aplace. On revient en position initiale. On retourne de l'autre côté. Cette fois-ci, on va aller regarder côté opposé le plus loin possible. C'est vrai. Oui. On retourne de l'autre côté. Et la même chose, on expire et on va regarder le plus loin possible vers là. Relâchez bien les genoux sur la position. On relâche. On va venir tendre la jambe gauche. Placer la jambe droite vers l'arrière. Yes. Ici, comme ça, je mets un petit peu de côté, histoire que vous ayez une vue un peu de profil. Voilà, exactement comme ça. Et là, tranquillement, on va venir s'allonger sur sa jambe. Au début, on ne va pas aller chercher très, très loin. On inspire et on expire en allant chercher légèrement sur sa jambe. On n'est pas obligé d'aller tout en bas pour le moment. Moi, je vais y aller de façon très progressive. Sur plusieurs années. Sur plusieurs années.
On se redresse, on inspire. Et cette fois-ci, on va aller chercher un tout petit peu plus loin en expirant. Un jour, j'attendrai ma chaussette. À ta place. Non. On revient en position. Et une dernière fois, on va inspirer très très fort. On va expirer cette fois-ci. On va aller chercher vraiment le plus loin possible. Rappelez-vous, on expire. Sur l'expiration, on relâche bien le haut du corps vers l'avant. Quand on inspire, on bloque la descente. Et on expire. On reprend sa petite descente tranquille. On se redresse. On inverse. Bon. Yes. Même chose en trois étapes. On débute tranquillement parce que l'ischio jambier va être fortement étiré. On va éviter de le solliciter trop vite. C'est parti, on expire, on descend légèrement. On revient en position initiale, on inspire et on expire, on va chercher un petit peu. On revient en position initiale, on inspire et on va chercher les bandes. On va chercher. Waouh! À ta place. Non, non, c'est pas ta place. On relâche. On va venir se placer ici, sur un genou, uniquement sur un, et l'autre jambe va venir ici, à 90 degrés. OK? Yes, on y est. On va venir basculer le bassin vers l'avant tout en gardant le dos bien droit. On bascule le bassin vers l'avant. Donc pensez bien à bien garder le dos droit et on descend sur les expirations comme ça. On relâche les muscles du bassin. On va repousser avec sa jambe qui est vers l'avant là et pousser sur son talon pour aller vers l'arrière et tendre sa jambe. Vous pouvez poser les mains de chaque côté si vous le sentez. Si vous ne le sentez pas, ce n'est pas grave. Si vous n'arrivez pas à poser vos mains, vous pouvez faire cet étirement-là. On inspire, on expire, on pousse les fesses en arrière, on sort la poitrine vers l'avant. Là, vous allez sentir, ça va beaucoup étirer et vous n'avez même pas besoin de poser les mains au sol. On revient en position et on inverse, on change de jambe. Donc, si vous avez le psoas assez souple, n'hésitez pas à avancer un tout petit peu votre pied devant votre genou. Pas complètement, mais... Je le vois à l'élève. Et on envoie le bassin une nouvelle fois vers l'avant. Comme Julien vient de le dire, l'objectif, c'est de tirer le psoas iliac qui est juste ici, là. J'aime bien. C'est vrai que je crois que c'est celui que j'ai le plus fait dans ma vie. Moi aussi. Avec le canton. On va pousser avec sa jambe qui est devant et on va revenir l'attendre vers l'arrière. Pencher le buste légèrement vers l'arrière, sortir les fesses, sortir le buste. Et on sent bien la contraction de jambier. Non, Pex. Si tu veux que je me claque, il suffit que tu me pousses. Ouais. Qui a fait ça? Hein? Qui a pété? C'est pas moi. Oui, je suis détendu, mais pas second. On relâche et on vient se remettre debout, comme tout à l'heure. On baisse à ta place. On garde le même écartement des jambes que la position initiale. Quand on va descendre en squat, les pieds légèrement en canard. Et on va descendre tranquillement en allant chercher un peu plus loin par rapport à tout à l'heure. Si cette fois-ci, on peut s'asseoir,
on n'hésite pas à s'asseoir. À ta place. Ta place. Ta place. Non. Les bras sont tendus devant là. Ici, bien tendu devant, en position de air squat. Et la main droite va aller chercher fort vers l'arrière et la main gauche reste vers l'avant. Le regard toujours sur les doigts. On revient en position initiale. On inspire et on expire avec le bras gauche. Et une nouvelle fois, le regard est porté vers le dos de la main gauche. Je comprends. On relâche, on inspire et on est reparti avec la main droite. On va chercher cette fois-ci encore plus loin. On est presque en train d'oublier le travail qu'on est en train de faire sur notre mobilité de hanche en étant bien bas sur nos appuis. On essaie de garder le dos le plus plat possible, si on peut. Si on ne peut pas, c'est pas grave. On relâche et on va chercher la gauche. On essaye de garder les talons bien ancrés dans le sol, surtout. Même si on travaille avec le haut du corps, on n'oublie pas la position des pieds. On relâche. Et on va maintenir quelques secondes, là, une dizaine de petites secondes, dans cette position de moindre effort. Il faut savoir que cette position-là est l'une des positions du corps qui consomme le moins d'énergie possible. Quand on est vraiment bien bas. D'où l'importance de travailler sa mobilité. Si vous êtes fatigué quand vous faites du shopping, bien on se pose comme ça. Il n'y a pas de chaise pour s'asseoir. Ah, des fois, quand je suis fatigué, je me mets dans cette position-là, ça surprend les gens. Ouais, mais moi, c'est clairement ma position de travail. Je suis avec les jeunes. Tu fais quoi comme travail déjà? Je suis avec les jeunes quand j'anime. Je fais de l'animation des jeunes. Allez, les jeunes, allez, plus vite, plus vite. Yes, on se remet debout. Normalement, on l'a presque pas senti au niveau des cuisseaux là. Parce que, comme je vous l'ai dit, c'est une position de moindre effort. Je me suis relevé un peu vite. Des petits flashs. Et c'est good pour moi. Ok, ok. Alors, on va revenir dans la position qu'on a vue avec Arnaud, celle où on est tiré du psoas iliaque. On va se concentrer sur la mobilité de la cheville. Vous vous rappelez, on en a fait un petit peu avant les vacances. Donc, ici. Cette fois-ci, on a bien le genou au-dessus de la cheville. On va venir pousser vers l'avant. Donc, comme on l'a vu sur la position précédente, on avait le psoas iliaque qui était complètement contracté puisqu'on était genou fléchi. On va venir l'étirer. Et en même temps, on va venir pousser la cheville vers l'intérieur et l'extérieur pour travailler la mobilité de celle-ci. Hop, intérieur, extérieur. Et on va venir lever sur demi-pointe. On lève le talon. Et inversement, on va venir se mettre sur le talon et lever les orteils. Ok, encore une fois, lève le talon le plus haut possible et lève les orteils. Ok, et je relâche, on change de jambe. Inspire, expire, je descends comme tout à l'heure. On peut en profiter pour étirer son psoas, pas de souci. Donc, la cheville est bien en dessous du genou, pardon. Et on pousse cheville vers l'intérieur, vers l'extérieur. On n'hésite pas à pousser le genou dessus pour bien la faire travailler, bien la mobiliser au maximum. Ok, on lève le talon le plus haut possible. On se met sur demi-pointe. Et inversement, on lève les orteils. Encore une fois, lève le talon, lève les orteils. Et dernière. Ok. Et je relâche. On va venir étirer un petit peu les mollets dans la position du chien tête en bas. Donc, on avance les mains en dessous des épaules. On crochette les doigts de pied. Et on va lever les fesses au plafond. On garde les jambes tendues. Inspirez. Expirez, poussez les épaules vers l'arrière, de sorte à aligner les bras avec le dos. Inspirez profondément, expirez, fléchissez la jambe droite et poussez la jambe gauche
dans le sol. On enfonce son talon gauche dans son tapis. Ok, et on relâche. Inspirez. Expirez. Cette fois-ci, talon droit dans le sol. Je fléchis ma jambe gauche. Et j'expire. Ok, je reviens. Je fléchis mes deux jambes. Inspirez. Expirez. On enfonce les deux talons dans le sol en tendant les deux yeux. Ok, super, je relâche et je viens me mettre à plat ventre. Donc, une main de chaque côté, je vais venir attraper ici le coup de pied, inspirer, expirer, pousser les os du bassin dans le sol, simplement, et contracter le fessier. Donc ici, on étire le quadriceps, on peut relâcher la tête, il n'y a pas de souci. Je relâche le quadriceps. On rattrape toujours la même jambe. Inspirez. Expirez. Et je pousse à nouveau le bassin dans le sol. Ok. Profonde inspiration. Expiration. Poussez le coup de pied dans la main comme si vous vouliez resserrer vos deux pieds ensemble. Et retenez avec votre main. Donc c'est normal si le haut du genou se décolle. Allez. Toujours le pubis bien enfoncé dans le tapis. Je relâche la contraction, je garde ma position et je vais venir pousser mon talon vers mon fessier. Et là, on va accentuer l'étirement sur le haut du quadriceps. Et je relâche. Ah, ok, de l'autre côté. Une première fois, j'attrape le coup de pied, inspirez, expirez, poussez le bassin dans le tapis. Ok, je relâche, on tend la jambe et je rattrape mon coup de pied. Inspirez, expirez, poussez le bassin. Inspirez profondément. Expirez, poussez le coup de pied dans la main très fort. Allez, tout le long de l'expiration, relâchez la contraction, gardez la position. On pousse le talon vers le fessier. Toujours le bassin bien ancré dans le tapis. Oh, et je relâche la contraction. On finit sur un petit peu d'étirement des adducteurs. Les deux jambes écartées, elles sont complètement relâchées. Ok, donc ici, hein, comme vous le savez, ce n'est pas un concours, on va vraiment à son rythme. On inspire une première fois, on expire, on descend dos rond, on ne se force pas. Si on sent que ça tire déjà quand on est ici, on ne va pas plus loin. On relâche bien les épaules et on y va progressivement. Et je me redresse. Même chose, cette fois-ci, on essaye de descendre le dos le plus plat possible. On est parti, inspirez. Et expirez, je descends vers l'avant. Je pousse mes fesses vers l'arrière et la poitrine vers l'avant. Oh, bien, on se redresse doucement. Alors, sur ce dernier étirement, on va venir descendre un tout petit peu. On n'est pas au maximum de son étirement. On est, on va dire, à mi-chemin
au niveau des sensations, d'accord ? Donc, je me penche légèrement vers l'avant, toujours le dos bien droit, hein, la poitrine vers l'avant, les fesses vers l'arrière. Et ici, on va se concentrer sur les doigts de pied. Alors, on ne va pas ramener les doigts de pied vers soi, mais on va pousser les pointes de pied vers l'extérieur pour bien étirer tout l'intérieur ici des jambes, d'accord ? Donc, ici, mi-chemin de mon étirement, inspirez, expirez et poussez les doigts de pied vers l'extérieur. Si vous ne sentez pas assez l'étirement à l'intérieur des jambes, n'hésitez pas à descendre un tout petit peu plus pour bien le sentir. Allez, maintenez les doigts de pied vers l'extérieur. Les fesses bien vers l'arrière. Et si on peut, on descend progressivement sur les expirations. Ok. Et je relâche doucement. Impeccable. On va venir se remettre debout et se remettre un petit peu en forme. Parce que souvent, ça nous endort un peu. Donc, tout doucement. On finit par les grandes inspirations, expirations. Je remonte un tout petit peu le micro. Inspirez, expirez, je me grandis. Comme au début, j'espace les vertèbres. Encore une fois, inspirez. Ok, on secoue un petit peu les jambes. Droite et gauche. On se remet un petit peu en mouvement, on prend sa corde à sauter imaginaire, on commence à sauter sur place. Donc voilà, on fait un petit peu de mouvement dynamique pour se remettre en forme. Là, la journée n'est pas finie. Ok, si on peut, petit jumping jack. Voilà, c'est ça, super. Ok. Et fini. Eh bien, cette séance est déjà terminée. J'espère que ça vous a plu. La semaine prochaine, j'essaierai de vous montrer quelques petits étirements qu'on peut faire au bureau sur une chaise. On ne voit plus mon crâne. Je me fais chier. Donc, la semaine prochaine, j'essaierai de vous montrer des petits étirements qu'on peut faire sur la chaise au bureau, avec sa table, etc. Donc, voilà, il faudra juste prévoir une petite chaise, à la limite, un bureau si vous en avez un. C'est pas important. Voilà, voilà. Donc, prochaine séance, ce sera samedi pour le cross-training de 18 à 19, comme d'hab. Il y a le lien, soit vous demandez à Arnaud, soit vous demandez à moi. Et voilà. Je vous souhaite une excellente journée et à la semaine prochaine. Ciao, ciao! Salut tout le monde! J'ai même pas dit que c'est la fin de la... Semaine prochaine, étirement sur une chaise et un bureau. Ouais. Vas-y. Et semaine d'après, on fait mobilité balai. Ouais. Vas-y, j'avais tout demandé. Ouais. Il y a plein. Bah vas-y. Je suis partante, je sais pas. La semaine dernière, j'aurais dit de prendre soit un élastique, soit une serviette ou un vêtement, tu sais, pour faire des étirements. Ok. Ouais, plus poussé. Ouais. Donc on peut très bien faire ça. Ok, Patrice. Peut-être que j'éteigne. Parce que sinon, sur la vidéo YouTube, ça va aller jusqu'au bout. Ça va être long. Ouais.